Alors bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi, comme toujours, de recevoir les éditions Bruno Doucet avec différents auteurs pour ce soir à l'occasion du Printemps du Poète qui se déroule donc du 12 au 28 mars partout à travers la France. Et donc Bruno est donc à Tire-Larigot, un petit peu partout en ce moment dans l'Hexagone. Donc on est ravi qu'il ait accepté et notamment les cinq auteurs, les six auteurs même, puisque Ariane Le Fauconnier est également là. Donc, on a la chance ce soir de vous recevoir tous pour un recueil qui s'appelle L'Éphémère, 88 plaisirs fugaces, édité toujours évidemment chez Bruno Doucet. Donc, nous avons la chance ce soir d'être avec Oriane Papin, qui est là, Adam Ondes, Louise Dupré, Ariane Le Fauconnier, Jean-Yves Taillac et Bruno Doucet. Voilà, ne l'oublions pas. On va peut-être commencer, Bruno, avec toi pour nous expliquer. Pas encore la notion d'éphémère, mais pour l'instant, comment tu as construit ce recueil-là avec différents poètes et poétesses d'univers différents, d'expériences différentes, de formes également différentes. Comment tu as construit ce recueil avec Thierry Renard? D'abord, vous dire que je construis un livre comme ça avec l'enthousiasme et avec le cœur. Parce que c'est quand même un énorme travail. Nous connaissons la thématique du Printemps des poètes en général au mois de mai. Et il faut que le livre soit globalement terminé au mois de décembre. Et pour construire une anthologie qui rassemble non pas 88, mais 94 poètes, 93 plus un plasticien, eh bien, il faut avoir lu quand même au moins le double d'auteurs. Donc, on passe une année à lire et à chercher des textes autour de cette thématique de l'éphémère. Alors, ceci étant dit, moi, je peux vous dire ce que je n'aime pas faire, et vous comprendrez mieux ce que j'aime faire. Ce que je n'aime pas, c'est mettre des auteurs les uns au bout des autres. Dans un ordre qui serait strictement l'ordre alphabétique, je trouve que ça ne construit rien, ça présente un intérêt qui est relativement limité, et j'aime construire un propos par la structure de l'anthologie. Et je cherche chaque année un mode de construction qui va me permettre de décliner différentes thématiques, c'est-à-dire l'idée c'est prendre le thème du printemps des poètes, cette année en l'occurrence l'éphémère, et essayer de... Ben, au fond, de voir tout ce que recèle ce terme, ses sens dénotés, connotés, et finalement prendre cette thématique sous tous les angles possibles. Voilà. Et donc, j'ai cherché un mode de construction, et voilà, cette année, devant ce mot qui est très beau, avec ses quatre voyelles identiques, ses quatre E, on s'est dit que le mode de construction le plus intéressant, c'était peut-être l'acrostiche. Alors, justement, l'acrostiche, et notamment ces neuf entrées que tu insères au sein du recueil, notamment l'envol, l'enfance, la passion ou encore l'éternité. Il y a ces mots-clés au sein de l'éphémère que tu as construit. Est-ce que tu pouvais nous en dire plus sur ces mots, sur ces entrées? Et notamment, certains poètes ce soir sont dans la même entrée. Je pense notamment à Ada et à. Non, pardon, à Jean-Yves et à Oriane dans l'enfance. Tu m'entends, Bruno? Ah, est-ce que vous m'entendez? Ça va? Oui, C'est bon, Bruno? oui, c'est Est-ce que bon, mais tu étais complètement C'est moi, figé, donc ouais, j'ai eu c'est un ça. doute, hein, tout à coup. Voilà, donc je vous disais simplement qu'on va, un petit peu comme dans un origami, on va déployer les virtualités sémantiques d'un mot par l'acrostiche. Ça, c'est vraiment très intéressant. Et le L apostrophe était intéressant parce qu'il nous permettait d'intégrer un terme qui commence par la lettre I, c'est l'instant. Il fallait quand même parler justement de ce rapport au moment présent, à l'instant, l'instantané. Et puis ensuite, alors, c'est effectivement, tu l'as dit, Anthony, le E de envol, le P de passion, pour parler des amours éphémères, notamment, le H d'humanité, tellement pertinent quand on pense à la brièveté de la vie humaine au regard, par exemple, des temps géologiques. Et puis le E d'enfance qui nous amenait tout de suite sur la question de la mémoire,
le troisième E pour l'énigme, le rêve, et puis on termine avec l'éternité. Alors justement, par rapport à cela, on va peut-être donner la parole évidemment aux six poètes qui sont là ce soir, notamment par rapport à l'éphémère, par rapport à la notion d'éphémère. Il faut préciser que certains poèmes sont inédits dans ce recueil, d'autres font partie de recueils. Pour le coup, là, ce soir, on a quasiment que de l'inédit, excepté peut-être le tien, Bruno, je crois. Oui. Tous les autres poèmes sont inédits, notamment celui de Louise qui sortira bientôt en 2022 au Québec et chez Bruno Doucet. Oui. Pour le coup, j'aimerais savoir, chacun d'entre vous, comment vous avez envisagé l'éphémère avec un sujet donné, avec un thème donné. Comment vous avez envisagé ce terme-là? Qu'est-ce qu'il évoque pour vous? On peut commencer par Oriane, peut-être. Alors, me concernant, ce sont trois en fait petits poèmes distincts qui sont publiés dans l'anthologie. Et ils viennent d'un manuscrit sur lequel je travaille depuis un an et demi, qui ne parle pas spécifiquement de l'éphémère, mais qui s'intéresse à l'enfance et à l'humain de manière générale. En fait, j'aime écrire sur l'enfance parce que je trouve que c'est le vivier le plus intéressant pour observer l'humain, parce que les choses y sont peut-être plus brutes, plus encore avec une certaine forme de virginité et d'intensité qui se dilue peut-être à l'âge adulte. Ici, la thématique de l'éphémère a émergé dans ces textes parce que je m'intéressais au rapport humain, tout simplement, à la vie. Et j'ai tendance à penser qu'au moment de l'enfance, le sentiment existentiel peut être beaucoup plus fort qu'à l'âge adulte, contrairement à ce qu'on peut souvent penser. Il y a quelque chose qui peut être très, très difficile au moment de l'arrivée dans l'existence, de se dire « mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là ?» Et je trouve que l'enfance est le moment où on change le plus et où finalement on est amené à avoir les facultés d'adaptation les plus incroyables que jamais on ne rencontrera plus dans notre vie. Voilà, c'est ces aspects-là qui m'ont intéressée notamment. Alors, on va peut-être rester sur l'enfance avec Jean-Yves. Oui, effectivement, on a le texte qui se trouve dans l'anthologie. Courir sur la mer fait partie d'une quarantaine de textes sur la mer que j'espère voir édités sous le titre Écumer l'instant. Et écumer l'instant, c'est un peu remplir ce que l'éphémère cherche à nous enlever et rester le plus possible à la crête de la vague dans un moment un peu suspendu. Et ce texte « Courir sur la mer », je ne pensais pas qu'il trouverait sa place dans l'enfance particulièrement. Bruno a fort justement fait ce choix. Je pense que j'écris avec une part qui n'est pas consciente. Et à la relecture, depuis que Bruno l'a classé dans « enfance », c'est assez évident que c'est un rapport à l'enfance. Voilà un peu comment il a... Vous l'auriez classé où, Jean-Yves, dans une autre catégorie ou une catégorie qui n'existe pas dans le recueil? Peut-être dans l'instant, mais j'avais pas de... Ah, j'ai beaucoup de difficultés à le classer, en fait, parce que je trouve qu'il y a souvent aussi l'humanité qui est assez présente, et l'éternité aussi, mais je trouve le choix de Bruno particulièrement judicieux. Maintenant, je le considère comme vraiment un texte d'enfance, mais vous en jugerez. et notamment peut-être avec l'usage du passé simple, c'est peut-être ça aussi qui l'a peut-être orienté vers l'enfance. Oui, peut-être, effectivement, c'est l'usage
du passé simple, oui, de l'imparfait également. C'est-à-dire, effectivement, c'est peut-être un souvenir qui est arrivé ouais, sur la vague, comme ça, alors que je ne l'attendais pas forcément. Je ne sais pas si... Enfin, je ne veux pas trop prendre de temps non plus, mais c'est un texte que j'ai écrit en Crète, et Bruno connaît très bien la Crète, à Plakias, hein, dans le ouais. sud de la Crète. Et je contemplais la mer, enfin, je regardais la mer, disons, je n'ai pas forcément une contemplation, et je venais de lire Les Argonautiques d'Apollonios de Rhodes, où Jason prend dans son bateau bah, tous les super-héros pour réussir à aller jusqu'à la Toison d'Or. Et parmi ces héros, Euphémus arrive à courir sur la mer. Et il y avait ce jour-là énormément de tempêtes. C'est la mer de Libye, qui est très, très... qui peut d'un moment à l'autre changer, qui peut être très, très violente. Il y avait des tourbillons, et c'est né de ce tourbillon, où pour moi, c'était Euphémus qui courait sur la mer. Voilà. Ensuite, ça vient d'un fil comme ça, d'une émotion, d'un choc, et puis d'un petit peu de cette lecture. Alors ensuite, l'enfance est venue malgré moi. Mais si vous me permettez, c'est très intéressant tout ce que tu viens de. Oui, tout ce que tu viens de dire, Jean-Yves, est vraiment très très intéressant. Et c'est vrai que ce rapport à la mythologie nous fait penser aussi que c'est un peu l'enfance de l'humanité qui est celle des mythes, des contes, des légendes, qui est aussi traversée. Hein, ce texte traverse tout cela. Mais c'est vrai que selon l'endroit où on le place dans un livre, sa coloration va être modifiée, c'est certain. Si je l'avais mis à la fin du livre, dans la section éternité, le texte ne disait plus tout à fait la même chose, et surtout, on ne le lit plus tout à fait de la même manière, voilà, y compris dans la mise en voix. Mythologie que tu places déjà, Bruno, directement dans l'avant-propos avec Calypso, la nymphe qui accueille Ulysse. Exactement. Par de là. Ah oui, par de là pour les faire. Je suis parti de Homère. Hein, je suis parti de Homère. Exactement. Voilà, tout à fait. Mais oui. on avait évoqué à Sète déjà toutes ces questions-là, la Crète et ouais, l'Odyssée aussi. Ouais. Mais comment parler de la mer sans évoquer l'Odyssée, c'est chose impossible. Et puis moi, j'ai eu le plaisir de lire les 40 ou 45 ou 50 poèmes que Jean-Yves m'a donnés. Et j'en avais sélectionné peut-être une dizaine qui auraient pu rentrer dans cette anthologie. Alors vous savez, j'ai toutes mes feuilles devant moi, puis à un moment donné, je fais un choix et j'essaie de tisser un fil, enfin de faire en sorte qu'un poème ait toujours la main posée sur l'épaule d'un autre poème. Il y a le texte qui précède, il y a celui qui suit. Et je fais en sorte voilà, que l'on propose au lecteur une balade, un voyage, avec des continuités, des ruptures, enfin, des possibilités bifurquées aussi, de changer de section. Voilà, c'est intéressant. Une anthologie est une œuvre ouverte, hein, complètement. Alors, on va s'envoler à présent avec Adam Ondes, donc dans la thématique L'Envol et son poème qui est aussi inédit, Saltimbanqui. Ada, vous êtes poète et traductrice. Comment est donc apparu cet éphémère-là ? Bonsoir. Bon, moi, j'ai d'abord une confession à faire. C'est que donc, vous venez de m'annoncer dans quelle partie j'étais, puisque l'anthologie a été envoyée quand j'étais en résidence en Normandie. Et étant nomade, le temps que l'anthologie arrive, j'étais déjà repartie. Donc, je vais bientôt la découvrir. C'est une belle surprise. On est déjà à la mi-mars. Donc, je suis dans le thème de l'envol. Et pendant que vous parliez, j'étais en train de réfléchir dans quelle partie ce texte-là, Saltimbanqui, pourrait être. Et justement, je pense qu'il a... Enfin, je suis ravie de savoir qu'il appartient à l'envol. Mais c'est vrai qu'il aurait pu être dans l'enfance, dans la mémoire, dans l'éternité, dans le rêve, dans l'instant. J'ai proposé ce texte à Bruno parce que on est proposé plusieurs d'abord et j'étais très surprise qu'il choisisse celui-ci et en même temps
peut-être que ça m'a permis de, moi, le relire, l'aimer mieux, peut-être. Et il appartient maintenant à un ensemble de textes qui s'appelle « Des corps poussés jusqu'à la nuit », qui va paraître au mois de mai aux éditions des Carnets du dessert de lune. Donc, il est encore inédit pour deux petits mois. Et c'est saltimbanque. Ça, pour moi, ça vient d'un... une exposition sur Picasso que j'avais vue. Il y avait ce tableau de la famille de saltimbanques qui m'avait arrêtée. Et bon, c'est un thème, les saltimbanques, qui me parle beaucoup, que ce soit par mes ancêtres italiens ou par ma façon de vivre aujourd'hui très itinérante et d'être dans le spectacle. Et qu'est-ce qu'il y a de plus éphémère qu'un spectacle aussi et qu'un poème, et que, enfin, pour moi, c'est des synonymes, tout ça, d'étoiles filantes, quoi. Donc voilà, ce petit texte. Petite étoile filante dans ce grand recueil. Merci. On va passer à l'éternité avec Louise Dupré, donc Exercice de joie qui sortira donc bientôt au Québec et bientôt aux éditions Bruno Doucet aussi en 2022. Louise, vous êtes québécoise, vous êtes une figure importante de la poésie québécoise. L'éphémère, pour le coup, comment vous y êtes arrivée avec celui-ci, avec Exercice de joie, deux poèmes dans le recueil? D'abord, j'avais beaucoup travaillé sur la douleur dans des recueils précédents et je me suis dit, quelle serait la joie? Parce que je voulais renouveler mon écriture, je voulais penser autrement, je voulais penser ailleurs. Et je commençais à me poser des questions sur ce qu'est la joie aujourd'hui dans le monde qu'on connaît. Ce qui n'est pas facile à déterminer, je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi. Et je ne peux voir la joie que comme éphémère. Pour moi, la joie s'oppose, bon, d'une part à la douleur, d'une part au monde qu'on connaît, mais aussi au bonheur. Le bonheur, lui, qui veut imposer une continuité. C'est la fin, on parlait tout à l'heure des contes, des légendes. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Alors, contrairement au bonheur, la joie, elle, ne reste pas. Et dans les deux poèmes que Bruno a choisis, le premier porte justement sur les éphémères, ces petits insectes qui vivent une seule journée. Et effectivement, je vois la joie comme ces éphémères, ces petits insectes qui savent qu'ils ne dureront pas, enfin, on peut penser qu'ils savent, mais qui vivent quand même, qui acceptent de vivre. Or, pour moi, la joie, c'est aussi le fait de vivre, le fait d'accepter d'être totalement vivant dans l'instant où on le vit. Et faire de cet instant un moment d'éternité. Et donc, je suis très contente que Bruno ait placé mes deux poèmes dans « Éternité » parce que on veut faire en sorte que l'éphémère rejoigne l'éternité. Et c'est à ce moment-là, je pense, qu'on peut s'affirmer être une personne qui regarde en avant et qui regarde la joie, tout en regardant l'instant présent. Merci. On va passer maintenant à Ariane Le Fauconnier. Je sais qu'elle est très timide, mais elle est aussi dans ce recueil avec Je me vois bleu, qui était également dans la revue collective Gustave et qui est cofondatrice de la maison d'édition qu'on aime beaucoup, 10 pages au carré. Ariane, c'est à toi. Merci Anthony, ça me prend de court. Du coup, moi, mon poème que Bruno a eu la gentillesse de reprendre, qui avait effectivement été publié dans la revue Gustave, il l'a placé dans la section rêve, et c'est drôle parce que je pense que pareil, c'est pas forcément la catégorie dans laquelle je l'aurais mis, parce que c'est un texte qui est à la fois joyeux et tragique, enfin, forcément sur... qui parle de la mort, mais sans, avec une sorte de retour à la nature et
de ce qu'il y a d'extrêmement vivant dans le fait de mourir. Et je pense que cet éphémère-là qu'on retrouve vraiment dans le texte, puisqu'il y a aussi l'insecte éphémère sur lequel se termine le poème, pour recontextualiser brièvement, c'est un texte qui a été écrit un peu après la grosse part sombre de la pandémie et qui m'est venu parce qu'il y avait une ambulance qui passait dans la rue, et donc la sirène qu'on voit dans le texte est le bleu en fait de la qui entame le texte, qui est « Je me vois bleu dans l'ambulance », c'est vraiment la sirène qui passait et qui devient la sirène de la mythologie de la mythologie grecque, avec ses ailes d'oiseau. Et voilà, il y avait cette question aussi d'envol, de départ, de mythologie, de mort et du coup d'éphémère. Merci, tu vois, finalement, tout va bien. Alors, on finit avec Bruno sur Bureau des longitudes, qui est donc issu du recueil Bureau des longitudes également. Bruno, ton texte, une fois de plus, est merveilleux, mais comment tu l'as créé? Est-ce que tu y as pensé d'ailleurs en fonction du thème du Printemps des poètes, ou au contraire, c'est quelque chose qui est totalement inédit? Comment tu peux nous expliquer ton texte? Oui, alors je dois dire d'abord que c'est peut-être la 17e ou 18e anthologie que je fais pour le Printemps des poètes. La 12e dans ma maison, et puis j'en avais déjà fait 5 ou 6 avec les éditions Segers, et que jusqu'à ces dernières années, je m'étais toujours strictement interdit d'y figurer. Voilà. Et puis plusieurs personnes m'ont dit, mais non, c'est un peu stupide. Donc voilà, depuis 2 ans, 3 ans maintenant, Thierry Renard et moi-même intégrons un poème lorsque ce poème peut faire sens. Alors, moi, il me semblait que le recueil 22 Bureau des longitudes est constitué de poèmes d'amour, hein, et que c'était plutôt dans la section passion que je devais prendre place dans cette anthologie. Et j'ai pensé à ce texte, Bureau des longitudes, qui est un poème que j'ai écrit pendant l'été. Mais quand je l'ai écrit, j'ai absolument pas, l'été dernier, j'ai absolument pas pensé à l'éphémère, pas un instant. Et puis c'est en le relisant que je me suis rendu compte qu'il y avait cette évocation des éphémérides qui compte plus de dates. Voilà, dans le bureau des longitudes, nos éphémérides comptent plus de lieux à découvrir que de dates effeuillées. Et je me suis dit, mais oui, c'est peut-être un bon texte pour l'anthologie. Voilà, tout simplement. Mais voyez que ce ne sont pas des catégories très étanches. Hein. Par exemple, pour le poème de Louise, j'avais vraiment très envie que ce soit le dernier texte de l'anthologie. Voilà, et j'ai cherché, et puis dans ces petites proses qui sont vraiment merveilleuses, je suis tombé sur le dernier texte et la dernière phrase qui est vraiment si, si forte. Hein, il ne s'agit plus, il ne suffit plus de comprendre, il faut apprendre à mieux respirer. Je voulais vraiment que le livre, le corpus de l'anthologie se termine sur cette phrase. Et puis pour Ariane, par exemple, c'est vrai qu'il y a une dimension tragique dans ce poème. Et en même temps, je n'ai pas voulu dissocier le petit collectif de la revue Gustave. Et j'ai cherché quel était le meilleur dénominateur commun des 4 auteurs que l'on plaçait ensemble. Et j'ai pensé que ce pouvait être le rêve. Voilà. Mais tout ça peut être discuté, bien évidemment. Et puis, vous savez bien que les poèmes appartiennent autant à ceux qui les reçoivent qu'à ceux qui les écrivent. Donc, c'est notre espace de liberté. Et puis, il faut dire aussi une chose, Anthony, c'est que la meilleure anthologie, c'est toujours celle que l'on fait soi-même. Et donc, une anthologie, c'est vraiment une façon de dire au lecteur, vas-y, ben, crée ton parcours, reconstruis le livre à ta guise, il est fait pour cela. Voilà. C'est vrai. Et dans l'avant-propos, tu as des mots extrêmement justes sur l'éphémère. Tu parles de requalifier l'instant et de réhabiliter le jetable et de suspendre l'amnésie. C'est des mots extrêmement forts. Alors, tu as l'habitude d'être extrêmement engagé, mais pour le coup,
L'éphémère, c'est un thème qui t'a inspiré aussi, peut-être plus que d'autres thèmes dans le passé. Pour le coup, celui-ci, il a quelque chose de particulier pour toi ? Alors, c'est-à-dire en fait que quand j'ai commencé vraiment à réfléchir à cette thématique, j'ai fait deux constats. Le premier constat, c'est que j'étais resté scotché à la lecture de mes 20 ans ou 22 ans lorsque j'avais lu à la fin des années 80 le livre de Gilles Lipovetsky sur l'empire de l'éphémère. Et c'est un livre sur les phénomènes de mode, sur le diktat de la mode, de cette société de consommation qui voue tout au jetable et à l'éphémère. Et finalement, je me suis dit, tiens, je n'ai pas réinterrogé vraiment ce concept d'éphémère depuis cette époque-là, pas suffisamment. Il est associé pour moi parfois à des connotations assez négatives. Et donc, j'ai eu à cœur au fond de requalifier en mon fort intérieur ce concept d'éphémère et de tenter de découvrir tous ces aspects positifs qu'il recèle. Donc ça, c'était la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'on fait le constat très rapidement et très simplement que finalement, l'éphémère, le terme est à la fois un substantif et un adjectif, et qu'on attribue la valeur, le substantif, que pour les animaux. C'est-à-dire, on va parler des éphémères, comme l'a dit Louise, cette catégorie d'insectes qui ne vivent la forme adjectivale. Alors, quand j'ai attrapé ce petit bout de fil comme ça, sémantique, linguistique, j'ai trouvé qu'on tenait vraiment quelque chose qui était très intéressant. Je me suis dit, c'est vrai, on parle pour les êtres humains d'amours éphémères, de gloire éphémère, de plaisirs éphémères. Hier encore, on parlait de fièvre éphémère, et puis on était encore en pleine pandémie. Je me suis dit, mais oui, puisse le Covid être aussi une fièvre éphémère, comme on le disait au Moyen-Âge. Et en même temps, on voue un culte à l'injonction hédoniste du Carpe Diem. Donc, je me suis dit, il faut tenir tout cela dans le même livre et ouvrir justement ce concept et tenter d'en tirer quelque chose. Voilà. Alors, vous avez toutes et tous des définitions différentes, singulières de la poésie. Je pense peut-être à Auriane Papin pour commencer, qui souhaite que la poésie soit ouverte au plus grand nombre, puisque vous êtes également professeur de français, et j'imagine que c'est aussi très important pour vous de faire découvrir la poésie au plus grand nombre. J'aimerais savoir, pour chacun d'entre vous, comment la poésie intègre-t-elle votre vie, mais également comment vous la voyez dans un monde actuel dirigé notamment par le numérique à tout prix. Alors oui, me concernant, la poésie a une grande place dans mon quotidien, autant par ma pratique individuelle de l'écriture que dans mon métier d'enseignante, puisque je suis professeure de français en collège et je travaille exclusivement en projet annuel littéraire et artistique au sein desquels l'écriture a toujours la place centrale. Sur le terrain au quotidien, ça me tient à cœur de faire pratiquer l'écriture à mes élèves et également de bousculer certaines images qui persistent à l'égard de la poésie, de quelque chose qui est souvent relayé au passé. Je pense que le sujet est très complexe de l'appréhension de la poésie par chacun. Et par une pratique très vivante au quotidien, j'ai notamment une classe de quatrième dans laquelle on fait du slam. L'idée est vraiment de leur montrer que la poésie est quelque chose de vivant, qui peut s'ancrer dans le quotidien, qui peut être présenté également sur scène, puisque c'est le cas avec cette classe.
Voilà. Je ne me souviens plus de la deuxième partie de votre question. Comment la poésie intègre-t-elle votre quotidien, votre vie, et comment vous la voyez au quotidien, que ce soit avec vos élèves ou même dans votre vie d'écrivain? Je ne sais pas si vous m'entendez correctement. Oui, je vous entends correctement. Alors, dans ma pratique d'écriture, c'est ça que vous demandez. J'ai pas de place figée pour l'écriture dans ma vie. C'est vraiment quelque chose qui peut surgir à n'importe quel moment du jour et de la nuit, d'ailleurs, très souvent. C'est souvent des scènes du quotidien qui vont appeler en moi un besoin d'écrire. Voilà, ça peut être des choses. Est-ce que vous avez besoin de conditions particulières pour travailler? Est-ce que pour vous, un poème, ça se travaille, ça se vit, ça se respire? Comment vous voyez les choses dans votre travail d'écriture? Alors, les premières idées jaillissent toujours de manière tout à fait spontanée et naturelle, et j'écris peu importe là où je suis, peu importe les circonstances, peu importe le moment. Donc, ce jaillissement-là est vraiment très ancré dans le moment. Après, pour ma part, j'ai besoin de beaucoup retravailler mes textes. Par la suite, et ça c'est une autre étape dans laquelle là j'ai besoin de m'isoler d'essayer d'épurer les choses au maximum pour en arriver l'exactitude la plus qui me satisfasse le plus au niveau de ce que je souhaite exprimer. Voilà, je sais même pas question si pour Jean-Yves. Oui, c'est très bien. Oui, bien sûr. Jean-Yves ? Oui, la poésie, je l'ai surtout connue, c'est intéressant de suivre ce qu'Oriane Papin disait, en quatrième avec une prof de français, alors que j'étais plutôt difficile, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, qui s'est pris d'affection pour moi, et elle m'a incité à écrire des poèmes. J'ai écrit, elle me conseillait, elle les corrigeait. Alors, c'était vraiment des sonnets, tout ce qu'il y a de plus, avec des rimes croisées, des distiques élégiaques, tout ce qu'on peut imaginer, puisque elle faisait aussi latin et ça me passionnait. Après, ça, j'ai laissé tout ça et je me suis mis à écrire tout le temps, n'importe où. Des fois, il m'arrive de m'arrêter, je suis en voiture, j'ai quelque chose qui me passe par la tête. Je m'arrête, je l'écris, et j'en ai écrit des carnets, et puis un jour, j'ai relu tout ça, et je me suis mis à mettre en forme. Mais mettre en forme, justement, sans les rimes, sans tout ce qui m'avait amené à l'écriture, disons. Et entre-temps, j'ai eu une amitié pour un républicain espagnol, Antonio Martinez Pagan, qui était un grand écrivain, et qui m'avait dit « Ce que tu écris, Jean-Yves, c'est pas mal. » Mais il faut que ta plume déchire le papier. Donc ça, c'est toujours une phrase qui me suit. Et je n'y arrive pas forcément, je pense que j'ai encore du chemin à faire, mais c'est un objectif que j'ai, que ma plume déchire le papier, c'est-à-dire qu'à travers la poésie puisse s'exprimer toute la liberté, vraiment ce qui est essentiel, et enlever les références. Tout à l'heure, j'évoquais Apollonios de Rhodes, donc il y a quand même une référence, c'est un point d'ancrage. Mais ensuite, se défaire de ces références. Et je pense que c'est un long chemin qui fait que petit à petit, on s'en défait. Et peut-être, j'ai une petite anecdote. Mon dernier recueil était sur les œuvres de Pierre Soulages. Pierre Soulages est un ami. Et un jour, il me dit « Pourquoi tu écris ?» Bon, je lui ai dit « J'ai essayé d'avoir une réponse intelligente, je peux dire, pour dire les choses comme ça. Donc, ça m'aide à mieux comprendre le monde, à mieux comprendre qui je suis. Bon,
je sèche assez vite et je lui dis, et toi, pourquoi tu peins? Il me dit, je peins pour essayer de saisir ce qui nous échappe. Et évidemment, je me suis dit, mais oui, moi aussi. J'écris pour essayer de saisir ce qui m'échappe. Et là, bon, on se retrouve avec l'éphémère aussi, ou l'instant, ce qui nous échappe. Et alors, on ne le saisit jamais vraiment, mais à certains moments, dans un poème, je pense qu'il peut y avoir deux, trois phrases où là, j'ai saisi quelque chose. Mais évidemment pas sur toute l'écriture. Je pense qu'il y a différents niveaux d'écriture. Et je pense que pour revenir au choix qu'a fait Bruno de courir sur la mer, il y a trois phrases qui sont exactement dans l'enfance. Et je pense que ça s'articule autour de ça. Mais ma façon d'écrire a toujours été quand même d'essayer de me protéger un peu, donc d'avoir des mots qui ne viennent pas tout de suite à l'émotion la plus profonde. Et donc, j'essaye d'évacuer tout ça, d'essayer d'enlever la mousse qui m'empêche de boire la bière comme j'aimerais. Enfin, dégager un petit peu tout ça, mais c'est nécessaire pour y venir, pour l'approcher, disons. C'est une approche assez douce et assez précautionneuse, en fait. Mais sinon, la poésie, c'est aussi, quand j'ai dit une expression de la liberté, dernièrement, j'ai fait des ateliers d'écriture à la maison d'arrêt de Rodez. Donc là, la liberté a tout son sens. Et ça s'est traduit ensuite avec de la musique sur du slam, des vidéos. Mais là, l'approche est particulièrement difficile. Il faut d'autres... par exemple, la prof de français qui m'a amené à écrire de la poésie, bon, elle a eu un lien affectif qui m'a permis de le faire avec les détenus. Et ça, c'est un autre côté. J'ai passé 20 ans dans la boxe. Et c'est en parlant de boxe que j'ai amené les détenus à avoir confiance, à pouvoir avoir ce lien et ensuite écrire. Et écrire des... Alors, je ne veux pas être trop long, hein, mais je continue juste. Un des détenus qui avait une très, très lourde peine c'est bien que tu veuilles nous faire écrire, mais il ne faut pas que l'on pense à autre chose qu'à notre incarcération. Si on pense au dehors, c'est invivable. Et oui, je le comprenais. Et puis malgré tout, ils ont écrit. Ce qui m'a posé un petit cas de conscience quand je suis rentré chez moi. Je me suis dit, c'est peut-être pas très très honnête. Je ne sais pas comment tu les as fait écrire, alors qu'ils disent que ça va être plus difficile pour eux ensuite si s'évadent de cet univers. Et ce même détenu a écrit pour une sensation qu'il avait eue. Il dit, je suis sorti de la prison de la santé, j'ai été dans le métro et j'ai senti un parfum de femme. Et il a écrit sur cette sensation. Voilà, enfin, pourquoi je pense que c'est un petit peu l'expression de la liberté. Et au plus grand nombre aussi, bien sûr, au plus grand nombre, parce qu'il m'arrive d'aller dire des poèmes chez des amis qui en reçoivent d'autres, et en discutant, des gens qui me disent « je ne croyais pas que c'était fait pour moi la poésie ». Donc c'est ça qui m'est cher, c'est de pouvoir enlever l'idée que j'ai vécue malheureusement en primaire, d'une poésie qui était uniquement un exercice noté, un exercice de mémoire, d'apprentissage, et qui n'amenait pas du tout, à mon avis, à l'écriture. Voilà, enfin, je n'ai pas d'autres choses, mais je ne veux pas prendre trop de place. Non, c'est très intéressant, Jean-Yves. Évidemment, vous pouvez dialoguer entre vous, hein, lorsque quelque chose vous percute ou vous choque. Non, je plaisante, pas vous choque, mais en tout cas, vous interpelle. Évidemment, vous pouvez intervenir et garder vos micros ouverts pour pouvoir dialoguer avec les uns les autres. Ada, qu'est-ce que vous en pensez de tout cela? Moi, je suis d'accord avec tout le monde. J'allais dire, je peux vous laisser parler plus longtemps parce que moi, je suis plutôt, je suis pas une grande,
oratrice sur le thème « Qu'est-ce que la poésie pour moi ?» Et à part ce qui est revenu chez Oriane et chez Jean-Yves, c'est une idée qui m'est très proche, que la poésie n'est pas séparée du vivant. Ce n'est pas quelque chose, un exercice qu'on fera à part, ce n'est pas pour une certaine partie de la population, c'est pas pour... Et j'ai vraiment... Enfin, tous les jours, je suis au contact de personnes, et quand je dis je suis poète, qui me disent mais qu'est-ce que tu fais, c'est étrange. Et justement, moi, je crois qu'on a tous notre étrangeté, notre folie, notre inquiétude, notre joie. Et la mienne, elle s'est incarnée comme ça depuis que je suis toute petite. J'ai toujours écrit des poèmes, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas appris à écrire. On apprend au fur et à mesure comment on apprend à vivre, mais voilà, c'est mon dada, c'est mon rapport au monde. Et vraiment, ouais, cette idée que ce n'est pas séparé du vivant. Alors du coup, maintenant j'ai une vie de voyage et de travail poétique, c'est-à-dire que je travaille tout le temps, donc je travaille jamais, c'est un peu flou comme rythme, tout est possible écriture, tout est prétexte, tout est promenade poétique, tout est travail, tout est matière à travailler. Ouais, la matière du vivant est tout le temps une matière de travail, pour moi. Et voilà. Vous avez quand même parlé d'étrangeté par rapport au mot poète, ça c'est intéressant. Est-ce que vous êtes interpellé quand on vous traite d'étrange lorsque vous dites que vous êtes poète? Est-ce que c'est quelque chose qui vous choque aujourd'hui, alors qu'à une certaine époque, au contraire, c'était peut-être la norme? À quel moment c'était la norme d'être poète? J'ai pas compris. Disons, à une certaine époque, en tout cas pas récemment, ça c'est sûr, mais à une certaine époque, ça aurait pu être une norme ou en tout cas quelque chose de plus classique. Je pense qu'étrangeté m'est venue parce que bon, j'ai vécu en Amérique latine, en Nouvelle-Zélande, en Biélorussie. J'ai commencé à écrire en espagnol il y a quelques années et à traduire, mais où j'ai écrit en italien, en anglais. C'est des langues, c'est étrange. Je ne décide pas, j'ai l'impression, de la langue dans laquelle je vais écrire. Donc, c'est moi qui suis aussi pleine de cette étrangeté. J'ai l'impression d'accueillir des voix étrangère. Et donc le français est ma langue maternelle, mais ça reste une langue étrangère. Et je pense que la poésie met l'accent sur le fait que rien n'est acquis. Tout est possiblement étranger. Et je pense que la poésie réveille ce sentiment d'étrangeté par rapport à ce qui est, ce qu'on nous présente comme acquis. Ouais. J'ai l'impression de m'embrouiller. Non. Qu'en pense Louise, justement, qui est au Québec, et j'imagine que la poésie est peut-être un autre aspect au Québec, ou en tout cas une autre vision par les lecteurs. Ce serait intéressant de savoir comment la poésie est active ou non au Québec. La poésie est très active. Maintenant, je vous mentirais si je vous disais que tous les Québécois lisent de la poésie. On est plusieurs poètes à essayer de la diffuser, ceci dit, et je donne personnellement des ateliers d'écriture pour essayer d'initier des hommes et des femmes à la poésie, même des adolescents parfois. Et je me rends compte que les gens ont très peur de la poésie. Pourquoi? C'est parce qu'on se rencontre et on rencontre l'autre dans la poésie. Et on a peur de se rencontrer. Et je crois que quand on arrive à faire en sorte qu'on montre que, dans le fond, la poésie est accueillante et que si on se rencontre, on n'a pas à craindre de se perdre, que là, les gens vont commencer à aimer la poésie. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire. Je n'ai jamais donné d'atelier à des détenus, ça doit être extrêmement enrichissant, puis inquiétant aussi. Je comprends très bien Jean-Yves, mais je me contente d'aller à la rencontre des autres et de faire en sorte que les autres aillent à la rencontre du texte littéraire. Et dans ma vie,
la poésie est, je dirais, ce qu'il y a de plus important. Et plus je vieillis, plus ça devient important. C'est l'endroit où je suis le plus moi-même en étant une autre. Et je comprends très bien ce que Ada dit quand elle dit que c'est aussi, on se sent étrangère. Moi, je parle d'autres langues que le français, mal. La seule langue que je parle vraiment bien, c'est le français. Mais je considère le français comme une langue étrangère, alors que la poésie est ma vraie langue. Et non pas seulement la poésie en français, mais la poésie dans d'autres langues. Alors, la poésie, c'est ce qui fait en sorte que on va à la rencontre de soi, de ce qu'il y a de plus profond en soi, et où on peut justement marcher. J'aime beaucoup, la marche revient beaucoup dans mes textes, marcher aussi en se rencontrant en soi, on rencontre l'autre, on s'accepte et on accepte l'autre. Alors pour moi, la poésie, ça devient aussi une philosophie. C'est ma manière de vivre, et de plus en plus. Voilà. Parfait. Et alors, le patriarche Bruno viendra conclure cette question sur la poésie. On connaît ton discours déjà, mais on ne cesse de l'apprécier à chaque fois que tu le prononces. Par rapport justement, et peut-être plus précisément à ce texte-là, à Bureau des Longitudes, où tu as dû travailler sur la passion, sur l'amour. Oui, moi je voudrais d'abord dire que la poésie est entrée dans ma vie dans l'enfance, et elle y est entrée non pas par la lecture, mais par l'écriture, d'emblée. Et voilà, dans une période vraiment difficile, lorsque j'avais 9 ou 10 ans, je crois que la poésie m'a sauvé la vie. Et le premier poème que j'ai écrit, qui était sans doute une faute d'orthographe et de maladresse, mais a changé le regard que l'on portait sur moi, celui de mes parents, un peu incrédule, celui de mes professeurs, assez vite le regard de mes camarades. Et finalement, j'ai eu l'impression, avec ce premier poème écrit à l'âge de 10 ans, que je me juchais sur un fil en hauteur, un fil très fragile, mais qui allait faire de moi un funambule, qui allait chercher son équilibre, pas à pas, mot à mot, et qui allait parvenir à surmonter ses peurs, ce vertige que la vie lui procurait. Et finalement, je crois que je n'ai jamais cessé d'avancer sur ce fil, avec aujourd'hui plus d'efficacité qu'autrefois sans doute. Et je crois qu'en devenant éditeur, j'associe au jour le jour le fil fragile des écritures de mes amis poètes à mon propre fil. C'est-à-dire que j'entortille les livres, les textes, le fil de l'écriture d'autrui à la mienne, et que j'ai le sentiment au fond que nous sommes en train, comme cela, ensemble, de tresser une corde, de tresser quelque chose de solide, beaucoup plus solide que le fil individuel de chacun d'entre nous. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cette corde, hein? Cette corde, je pourrais vous dire, elle sert à rattacher les continents qui partent à la dérive, elle sert à nous relier les uns aux autres. Voilà, mais je crois que c'est cela que je fais. C'est un peu, si vous voulez, comme si j'avais, en devenant éditeur, assigné la poésie à résidence dans ma vie. Parce que la poésie est un état d'être. On ne peut pas être en état de poésie 24 heures sur 24, parce que je crois qu'alors on entre dans une brûlure qui est celle que Rimbaud a vécue pendant 2 ans, et Antonin Artaud peut-être à la fin de sa vie, etc. Vous voyez ? Donc, finalement, la poésie vient à nous de manière un peu intermittente. Elle nous permet de nous réaccorder à nous-mêmes et aux autres, aussi peut-être au monde, régulièrement. Et finalement, l'éditeur, c'est celui qui la piège un peu. Hein. Quand on publie des poètes, on l'assigne à résidence parce qu'il n'y a pas un seul jour, une seule heure de ma vie sans un rapport à la poésie.
Et puis, en vous écoutant, je me suis permis de me retourner dans ma bibliothèque et de prendre un livre que j'aime beaucoup, un livre, je ne sais pas si vous le voyez, de Hermann Hesse, ce grand poète allemand. Je me suis souvenu, en vous écoutant il y a un instant, de cette lettre qu'il adresse en avril 1940 à son fils Martin, qui est un tout jeune homme. Et il explique à son fils que nous sommes en avril 40 et Hermann Hesse est en exil. Il a fui le nazisme, il est parti s'exiler en Suisse et lui explique en fait qu'il vient de passer plusieurs jours à reprendre un poème, à retravailler un poème qui s'intitule « Un air de flûte ». Et pendant une page et demie, il explique de quelle manière il a travaillé les harmoniques de la langue pour reprendre ce petit poème qui ne dit rien d'autre qu'un instant de beauté et de rapport à la nature. Et il ajoute cette chose qui est vraiment, que je trouve absolument magnifique. Il lui dit « Oui, on pourrait penser que l'écrivain passe beaucoup de temps pour concevoir quelques petits vers et que peut-être il gâche ainsi son temps. » Et il ajoute « On pourrait répondre ce que fait le poète n'a probablement aucune valeur, car il est invraisemblable qu'il ait fait l'un des très rares poèmes qui, après lui, continueront à vivre pendant 100, 500 ans. Mais pourtant, ce drôle d'individu a fait quelque chose de plus inoffensif, de moins grave et de plus souhaitable que ce que fait aujourd'hui la majorité des hommes. » Et il ajoute ceci qui prend un sens extraordinaire aujourd'hui dans ce que nous vivons. « Il a fait des vers et enfilé des mots. En revanche, il n'a ni tiré, ni dynamité, ni répandu des gaz, ni fabriqué des munitions, ni coulé des bateaux, etc. etc. » Et on entend Hermann et ceux qui se, au fond, qui se fâchent et qui nous laissent entendre que finalement, écrire de la poésie, ce n'est causer aucun tort autour de soi. Et c'est déjà pas mal, non? Voilà. Sandra, je ne sais pas si Ariane voulait intervenir également. C'est bon? Moi, je veux bien réintervenir. Oui. Oui, bien sûr. Suite à ce que Louise a dit sur soi, les autres, avec un... Ce qui m'est arrivé, c'est que j'écrivais de la poésie, mais je ne la disais pas moi-même. Pendant longtemps, c'est une comédienne qui disait mes textes. Et un jour, elle m'a dit sur un texte qui s'appelle « Berlin », où j'évoquais le fait qu'en allant voir mon fils à Berlin, je m'étais rendu compte qu'il était devenu un homme, qu'il n'avait plus besoin de moi. Elle m'a dit « Il faut que tu le lises ». C'est le premier que j'ai lu en public. Et il y a des gens qui ont pleuré. Et là, j'ai pris conscience qu'effectivement, c'était un partage. Et qu'il fallait... fallait dire soi-même les textes qu'on écrivait et les partager avec qui on était. Et donc ce passage entre soi et les autres, il faut le faire. Moi, je n'osais pas le faire. Et bon, ça m'a débloqué, dirais-je. Et ensuite, j'ai compris, et ce que je fais actuellement, c'est d'essayer de partager le plus possible. Et dans des situations qui ne sont peut-être pas des situations habituelles, dans quelques temps, je vais lire des textes sur la boxe avec Eric Sarner, qui est un poète qui a écrit notamment un texte qui s'appelle Sugar, sur Ray Sugar Robinson. Mais on va les dire sur le ring, dans un gala de boxe. Et ce qui m'intéresse, c'est effectivement maintenant d'aller dans des lieux où la poésie, a priori, ne va pas. Mais où, lorsqu'elle y va, elle est reçue avec des émotions qui peuvent être très fortes et qui peuvent, comme ça m'est arrivé moi-même, qui peuvent déclencher quelque chose. Là, on m'a souvent dit, comme j'ai passé ma vie dans la boxe, mais un poète boxeur, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai dit Arthur Krabban, au moins, Mohamed Ali a écrit des poèmes aussi, etc. Et voilà, je pense qu'il n'y a pas de monde qui soit étanche, qui soit séparé.
La poésie, c'est un moyen de relier ces mondes, déjà parce que c'est très direct. Bon, je me suis essayé à des romans, mais c'est très long, les romans, je n'y arrivais pas, il fallait que je reprenne tout, il y avait toujours des choses qui n'allaient pas dans la temporalité. Alors que la poésie, tout le monde peut absolument écrire, avoir ses émotions, les traduire avec ses mots. Et ça, c'est quelque chose qui m'a fait maintenant aller vers la poésie, parce que c'est l'instant. On écrit trois mots, ça peut suffire. Ensuite, ça peut se retravailler, mais on a saisi l'instant, justement. Et cette façon de saisir l'instant, je pense qu'il n'y a qu'avec la poésie qu'on peut le faire. Est-ce qu'Ariane voulait intervenir ou pas ? C'est intéressant, en tout cas, de déclamer le texte là où la poésie n'est pas. Ça, c'est très intéressant. Alors, dans un ring de boxe, ça ne s'adapte pas forcément à tout le monde, ça c'est sûr. Pas pour tous les poèmes, pour celui d'Ariane, non. Quoique, dans une ambulance, hein. Pourquoi pas. Non, moi, j'avais rien de spécial à rajouter. Je pense que la personne dont je me sens le plus proche en termes de discours et de vie, surtout, c'est Bruno, comme on travaille ensemble. Et pour le coup, moi, la raison qui m'a fait aller vers le métier de l'édition de poésie, c'était vraiment cette idée-là, c'était d'être quelque part obligé d'être tout le temps avec la poésie. Et voilà, c'est du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce que ça tourne en boucle dans la tête, et c'est pas forcément l'écriture, mais c'est les coups de fil qu'on va passer au poète, à Anthony pour organiser une rencontre, à Bruno pour relire un livre, enfin... Voilà, et ça, c'est un grand bonheur et c'est une vraie joie du partage, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à ajouter là-dessus. C'est bien. Sandra. Merci, Ariane. Oui, bonsoir tout le monde. Je voulais revenir sur le recueil, et puis bah, peut-être donc plus une question pour Bruno. Vous avez fait participer Ernest Pignon-Ernest dans ce recueil. J'avais plutôt deux questions. Est-ce que d'abord ça a été une évidence par rapport à cette thématique, parce qu'en effet ces œuvres le sont, éphémères. Et puis est-ce que vous aviez pensé éventuellement à associer certains de ces dessins à des poèmes? Ou est-ce que ça n'a pas été possible, ou est-ce que ça n'a pas été envisagé, parce que certains de ces dessins, je les aurais bien vus avec certains des poèmes que j'ai lus dans le recueil. Donc voilà. C'est vrai. Alors d'abord, le nom d'Ernest Pignon-Ernest s'est imposé assez vite, d'autant que nous sortions d'un travail commun, puisque nous avons publié de lui un très beau livre sur Jean Ferrat à partir d'un texte de Lionel Trouillot, et que ce livre nous a quand même beaucoup occupé ces deux dernières années. Et puis surtout, Ernest est vraiment véritablement un artiste de l'éphémère qui appose sur les murs des cités, Calais, Charleville, Paris, Naples, Soweto et tant d'autres dans le monde, des images sur des papiers fragiles. Il va apposer sur les murs parfois des originaux qui pourraient être vendus dans des galeries à des prix faramineux. Et ce faisant, il accepte le processus de dégradation possible de l'œuvre. C'est-à-dire qu'il accepte que quelqu'un vienne déchirer cette œuvre, vienne la recouvrir par autre chose, vienne la taguer. Et puis, il accepte que la pluie, le vent, le temps qui passe viennent l'abîmer. Donc c'est un art qui est totalement voué à l'éphémère, et ce que j'aime dans ce travail, c'est qu'il a sorti totalement la pratique artistique des lieux où elle s'inscrit habituellement, ou plus exactement des lieux que la société a choisi pour elle. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Ça rejoint exactement ce que vient de dire Jean-Yves, c'est-à-dire qu'il faut porter l'art au-delà des frontières dans lesquelles il est censé s'exprimer. Voilà, donc ça c'était la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est que j'ai cherché pendant plusieurs mois la manière dont j'allais intégrer le travail d'Ernest, et en effet, j'avais songé qu'il pouvait y avoir peut-être huit reproductions d'œuvres d'Ernest Pignon-Ernest,
et qu'à chacune de nos thématiques soit associée une œuvre. Et puis, j'ai changé d'avis lorsque je suis tombé sur un texte, en fait, c'est même Ernest qui m'en a parlé le premier, un texte qui est paru en août 2003 dans la revue Les cahiers de médiologie que publiaient alors les éditions Fayard, et c'était la revue dont Régis Debray était le rédacteur en chef. Et en fait, il y avait un numéro consacré à l'éphémère que je me suis procuré. Et dans ce numéro, il y a un texte d'Ernest Pignon-Ernest, qui est un texte calligraphié, parfois un petit peu difficile à lire, accompagné d'œuvres, de reproductions de ses œuvres. Et nous avons proposé à Ernest de reprendre ce texte dans son intégralité, de le publier à la fin du livre avec des reproductions de ses œuvres. Donc, il y a une œuvre qui est à Naples, une autre à Soweto. On a Rimbaud et puis on a l'étonnante photo qui représente Maurice Audin avec des jeunes d'Alger. Voilà, donc c'est un choix, ce n'est pas forcément le meilleur, mais c'est celui qui s'est imposé in fine. C'est un moment fort du recueil, en tout cas. Oui, je crois. Et puis la présence d'Ernest, de cette façon-là, n'est pas diluée dans l'ensemble du livre, mais il vient clore le livre. Avec une... Et puis surtout, ce texte n'est plus disponible. Très peu de gens l'ont lu. Et je me suis dit, mais vraiment, c'est vraiment dommage. Alors, il faut le reprendre. Et le reprendre en étant au plus proche de la facture du texte tel qu'Ernest l'a donné. Voilà. Alors, si je peux peut-être le faire apparaître, là, vous le verrez. On a même joué sur l'approche du texte, sur la taille des caractères. Et la mise en espace du texte pour essayer de rendre compte de ce qui ressemblait un peu à un work in progress, puisque on voit la pensée en train de se déployer. Voilà. Sandra. Oui, pendant qu'on est toujours sur le recueil et avec Bruno, je sais que vous prenez un soin particulier à choisir la couleur des couvertures par rapport à l'intérieur de l'objet. Est-ce que vous pouvez expliquer le jaune? Parce que l'année dernière, c'était le désir. Si mes souvenirs sont bons, c'était oui. Rose, un très, très beau rose. Et ça allait très bien, effectivement, avec ce thème. Le jaune, donc, pourquoi par rapport à l'éphémère? C'est un jaune solaire, hein, on va dire. Donc, je trouve qu'on a besoin de ça aujourd'hui. On avait d'abord envie d'avoir plutôt des couleurs chaudes. Celle du soleil, celle de la lumière, du feu qui nous réchauffe. Et voilà, il m'a semblé que c'était assez évident. Et puis, depuis 5 ans, on pense un peu, c'est depuis que Sophie Nolot a pris la direction du Printemps des Poètes en 2018, je crois. Vous voyez, elle a commencé une sorte d'abécédaire de la poésie, puisqu'on a eu le thème de l'ardeur, puis le thème de la beauté, le courage, le désir et maintenant l'éphémère. Donc, ce sont les 5 premières lettres de l'alphabet. Et finalement, nous, on a essayé de décliner une gamme chromatique qui se situe entre le jaune et le rouge, qui est allé un peu plus loin pour l'année du courage, mais on reste dans ces couleurs chaudes et ça nous plaît bien. Voilà. On lui souhaite bon courage pour la fin de l'alphabet. Parce que ça risque d'être très compliqué. Justement, tout à l'heure, Bruno, tu parlais de l'espacement du texte, et ça, c'est quelque chose qu'on voit très souvent dans les recueils Bruno Doucet, dans tout ce que tu produis. J'aimerais connaître, pour vous tous, parce que il y a une immense diversité des poètes dans le recueil, que ce soit de Nancy Houston à Hélène Dorion, qu'on avait reçue, qu'on adore aussi. Mais il y a également une diversité sur la forme. À chaque fois, même si Oriane et Ariane ont une proximité de prénom, leur forme également de poésie se ressemble, pour le coup, mais ce sont à peu près les seuls, puisque les 4 autres poètes que nous avons là ont des formes très particulières et très différentes d'espacer leurs textes,
d'aérer également leur texte. Comment vous décidez, toutes et tous, d'espacer votre texte en fonction peut-être de vos émotions, en fonction du rythme que vous voulez donner également au texte, mais comment vous travaillez cette forme-là dans vos poèmes? On recommence toujours avec Oriane. Je regardais les textes en même temps. Je pense que moi, c'est vraiment... quand j'écris, j'oralise toujours ce que je suis en train d'écrire. Je les prononce à voix haute très longtemps. Et je pense que c'est vraiment le rythme qui va dicter la mise en page et que là où j'ai besoin de passage à la ligne, d'espace, c'est parce que voilà, la respiration s'impose. Je pense que c'est vraiment un rapport à l'oralité. Enfin, la mise en page et l'oralité sont en lien immédiat pour moi. On peut enchaîner avec Jean-Yves, Ada ensuite. Moi, je crois que je n'ai pas de règles. Lorsque j'écris, j'essaie d'entendre ce que j'écris, d'entendre le rythme. Je pensais que ça fonctionnait bien, et puis depuis que je travaille avec un musicien, je me rends compte que tout ça ne fonctionne pas si bien que ça. Donc maintenant, je fais des allers-retours entre ce que j'écris, ce que je vais devoir dire, et ce que le musicien compose sur ce que j'écris et qu'il me renvoie comme rythme. Et le fait d'enregistrer m'a fait modifier la longueur de certaines phrases, mettre aussi des espaces que je n'aurais pas si j'avais pas eu cet apport extérieur. Je pense que c'est encore toujours une question de partage, mais le fait de travailler, alors c'est pas de la musique qui va accompagner. On travaille ensemble et quand on dit les textes et lui la musique, il y a une part d'improvisation. Et ça modifie, je me rends compte que certains textes, je me dis, bon, ils sont bien calés pour moi. Et quand je les fais avec lui, ça ne passe pas toujours très bien. Mais c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est que ça ne marche pas toujours très bien. Et lorsqu'on les dit, il est arrivé souvent que dans le public, des gens, après, lorsqu'on en discute, disent « ce qui m'a intéressé, c'est le moment où ça ne fonctionnait pas très bien et où vous avez réussi quand même à créer quelque chose et on voyait bien que c'était pas prémédité, voilà, qu'il y avait quelque chose qui se faisait. » Et c'est une sensation que j'aime à retrouver, c'est lorsqu'on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Et lorsqu'il y a, cette part d'imprévisible. Donc, après coup, évidemment, ça arrive à me faire modifier des textes parce qu'ils m'ont échappé. Alors, comme je disais tout à l'heure, saisir ce qui nous échappe, là, c'est l'inverse. C'est laisser s'échapper ce qu'on croyait avoir saisi. Et donc, j'ai toujours un petit peu cet aller-retour, ce qui fait que c'est pour ça que il n'y a pas de règle, parce que si je fixe une règle... Par exemple, le texte « Courir sur la mer », c'est peut-être grâce à la magie de Bruno, mais il a une vie tout d'un coup. Un groupe de rock m'a demandé s'il pouvait l'utiliser, un groupe de rock breton, et ils ont fait ils tournent avec, entre autres, ils l'ont mis en musique. Ensuite, il y a aussi un ami qui est un poète arabe qui l'a traduit en arabe et qui le chante. Donc, tout ça fait que, on disait, ça ne m'appartient plus, mais ça me renvoie quand même des choses que je peux peut-être modifier par la suite. Et puis, bon, il y a toujours à quel moment c'est terminé, on ne sait pas trop à quel moment c'est terminé. Donc, il faut bien s'arrêter, quoi. Donc, quand on s'arrête, le texte, lui, ne s'arrête peut-être pas. C'est ce qui m'est arrivé avec ce texte-là. Je rajoute une question supplémentaire d'ailleurs, parce que ça m'interpelle aussi ça, sur le temps. Est-ce que le temps agit sur vos poèmes? Est-ce que vous les modifiez à posteriori? Est-ce qu'en les relisant, parfois, vous avez des choses qui vous échappent, des choses qui vous frappent?
Et est-ce qu'un poème peut évoluer également avec le temps? Je réponds là. Oui, Jean-Yves, oui, oui, répond. Oui, oui. Alors, moi, ce qui m'arrive très souvent, c'est que je ne sais pas comment le dire, mais j'ai la sensation de comprendre ce que j'ai écrit des années après. C'est-à-dire, en relisant, je me dis, j'avais pas l'impression que j'avais voulu dire ça. Bon, alors, c'est aussi la question du temps qui fait que on change chaque jour, je veux dire, peut-être même chaque heure, on est différent de tout ce qui nous arrive. Et donc, un texte qui a été écrit il y a quelques années, on le reprend. Non seulement on ne le voit pas de la même façon, mais il y a des choses à l'intérieur qui n'étaient peut-être pas très conscientes et qu'avec le recul, on rend conscient et donc on se rend compte. Donc, j'ai souvent eu cette expérience. Bon, et puis, il y a aussi des textes, on n'a pas envie de les reprendre du tout. Quoi. Et disons qu'ils ont fini leur vie. Et puis, le texte le plus intéressant, c'est celui qu'on n'a pas encore écrit. Quoi. Donc, il y a aussi cette idée de les lâcher. Et puis, il y en a certains qui, avec le temps, prennent pour moi beaucoup de valeur. Je ne les avais pas vus sur le moment comme ça. Voilà, mais il n'y a pas de règle. Voilà, c'était ma question. Ce n'est pas forcément négatif. Pour vous, la poésie n'est pas en elle-même éphémère. Elle peut au contraire être positive et avoir une connotation plus consciente plus tard. Oui, 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 absolument. Moi, j'ai plus j'avance en âge aussi, plus je me rends compte que ce que je fais m'appartient pas tout à fait, dans le sens où je l'ai pas entièrement prémédité, mais il y a une part d'intuition, une part de sensation, quelque chose qui fait que certains mots en entraînent d'autres, qu'il y a un rythme aussi qui s'instaure. Et, voilà, et c'est à la fois extrêmement agréable, parce que c'est une sensation, on a la sensation de vivre quand on n'a pas prémédité. Quand quelque chose se passe au même moment, et voilà, ça me donne une sensation vraiment de vivre davantage. Je ne sais pas si Auriane veut réagir aussi sur la question temporelle, peut-être, et ensuite Ada. Alors, me concernant, tant que je n'arrive pas, un texte va être travaillé, retravaillé, 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 parfois pendant plusieurs semaines. Je n'irai pas jusqu'à plusieurs mois parce que je pense que sinon ce serait. Voilà. Et il y a un moment où soit j'arrive au moment où je me dis, bon, voilà, c'est ce que je voulais écrire, j'en suis satisfaite et je ne le touche plus. Si je n'arrive pas à ce stade-là, je le lâche, je l'abandonne et je n'y reviendrai pas. Parce que j'aime pas beaucoup relire ce que j'ai écrit. Enfin, j'ai l'impression que voilà, c'est dans l'instant. Je me sens très connectée au texte au moment où je les écris et puis voilà, les 2-3 mois qui suivent. Et puis je m'en détache totalement, il ne m'intéresse plus. J'ai l'impression que c'est une autre étape, une étape ancienne. Et j'ai vraiment, je suis rapidement tournée vers, comme disait Jean-Yves, le prochain poème que j'aurais envie d'écrire. Mais j'ai jamais été capable de reprendre un poème qui datait de même un an et de me dire je vais le retravailler. C'est quelque chose que je n'arrive pas à faire. Poésie de l'instant. Oui. Ouais. Ada? Oui, il s'est dit beaucoup de choses depuis tout à l'heure. Pour répondre sur la première partie, la première question, c'était sur l'espace qu'occupait le texte sur la page. Là, pareil, on a tous à peu près parlé d'une question de son, de souffle et d'oreille. Pour moi, c'est très proche de la musique aussi. C'est quelque chose que j'entends, comme je disais, quand j'écris. Et donc, c'est comme une chanson. Donc, ça prend corps, ça prend forme un peu tout seul sur la page. J'essaye de transcrire au plus proche de ce que j'ai entendu et de ce que j'entends. Et
quand c'est fini, on le sait. Je sais que quand je suis à la fin d'un vers ou à la fin d'une strophe, je sais que c'est comme ça, ça passera à la suivante ensuite, et c'est assez naturel. Pour ce qui est de la durée pour le travail d'un poème, pendant longtemps, j'ai aussi dit que je n'étais pas capable de relire un poème avec le temps ou de retravailler, je n'avais pas envie en tout cas. Plus qu'une question de capacité, je crois que c'est une question de désir. Et en fait, j'étais très surprise avec... c'est un petit livre qui est sorti aux éditions Maelstrom en octobre qui s'appelle L'heure zéro. C'est un monologue que j'ai écrit au Maroc en 2017 et que j'avais écrit en espagnol, puis traduit en français, puis continué en français, retraduit en espagnol, puis laissé tomber. Et j'en ai fait un monologue en français. Et ça a travaillé avec le temps et avec les changements qui s'opéraient en moi au fur et à mesure. Et quand on relit des choses, même combien de fois on a relu un livre des années après, c'était pas la même chose. Alors oui, on relit un poème à soi. Est-ce qu'on accepte qu'on a été à ce moment-là et c'est très bien comme ça, ou est-ce qu'on a envie de revenir lui apporter une deuxième vie peut-être? Et donc s'il y a eu publication, c'est réédition aussi, moi je trouve ça intéressant, différentes versions d'un même visage. Et pour moi, la question de la publication est difficile pour ça. Là, le nouveau manuscrit qui est en train de se terminer. Merci Ariane pour au fur et à mesure mettre les liens. C'est la question d'arrêter un fil de vie. L'écriture, pour moi, est mouvante tout le temps. Et le fait de l'arrêter, de vouloir figer quelque chose, une forme qui est publiable, c'est difficile. C'est pour ça aussi, je crois, que je me suis tournée vers les spectacles, vers l'oralité, le fait de dire des textes tout le temps. J'en fais ce que je veux. Finalement, les recueils qu'on trouve... mes recueils sont quand même proches de ce que j'ai fait, mais ce n'est pas au mot près. Ça déborde, quoi. Beaucoup plus vivant de pouvoir les donner encore tous les jours avec la personne que je deviens. Voilà, je pense. Alors, Louise, quant à vous, et après, on passera à Ariane et Bruno. Pour moi, c'est très intuitif aussi. Le souffle, le rythme est extrêmement important. Mais il y a plus que ça, c'est que chaque poème cherche sa forme et essaie de la trouver. Or, il m'arrive parfois de commencer un poème en vers, d'essayer de le mettre en prose, de revenir au vers, et la forme va hésiter pendant un certain temps et tout à coup va se mettre en place d'elle-même. Alors, il s'agit d'écouter le poème en marche, et d'écouter ce qu'il veut nous dire et comment il veut se dire, ce qui n'est pas toujours facile. Or, une fois que la forme est mise en place, souvent, pour moi, il s'agit d'écrire des suites poétiques, ou bien des longs poèmes en vers, ou bien des suites de poèmes en prose. Et dans les deux, le rythme va être extrêmement différent. Évidemment, dans le poème en vers, le blanc fait en sorte qu'il y a des silences. Donc, c'est une écriture, disons, plus sereine. Alors que souvent, le poème en prose va être un poème haletant. Alors, je vais suivre ce halètement-là du début à la fin. Et il m'arrive de les relire. Oui, je fais des changements moi aussi. J'essaie de ne pas trop en faire parce que parfois, ce qui est dangereux, c'est de détruire ce qu'on a fait intuitivement parce qu'on essaie de trop repenser le poème. Mais je me permets quand même de le relire et souvent, c'est pour ajuster le rythme. Quand on entend des couacs comme dans un orchestre, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas et là, il faut absolument corriger. Est-ce qu'il n'y a pas de risque qu'il y ait trop de couacs et qu'au final, en tout cas pour personnellement, en tant que poète, quand on est perfectionniste, et j'imagine que vous l'êtes toutes et tous, j'imagine, est-ce qu'il n'y a pas le risque au contraire de déchirer un texte, de tout éliminer? Ben justement, c'est ça qui est dangereux. Et effectivement, trop vouloir corriger, ça peut être nocif aussi pour un texte. Je pense qu'il faut lui laisser sa spontanéité d'une certaine façon.
pas que je veux dire ici qu'il faut écrire n'importe quoi, mais quand on pense qu'il est suffisamment bon, alors il faut lui laisser la chance de faire sa vie de poème sans vouloir trop le contrôler. Et l'envoyer à Bruno pour qu'ensuite il soit publié. Et puis on se fie sur Bruno parce qu'il va nous dire, ben là, écoute, attention, ici j'entends un couac et là ça va. Alors, c'est sûr que l'éditeur est extrêmement important. C'est quelqu'un qui nous relie et qui joue pour nous, d'une certaine façon, le rôle de l'autre, du grand lecteur, si on veut. Alors, Ariane et Bruno, votre rapport à la forme et au... Bah, le rapport à la forme et au souffle. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire parce que je crois que je suis très proche... C'est drôle d'ailleurs ce que tu as dit, Anthony. Je suis très proche d'Oriane, je pense, dans la façon dont on travaille. Moi, j'aime bien la forme courte. Donc, c'est vrai que c'est pareil, ça se fait dans l'oralité, dans l'instant. Mais je voulais juste revenir sur ce que disait Louise sur toute cette histoire de couac et de retravail. Moi, je pense foncièrement qu'un poème, ça se retravaille toujours. Et qu'après, effectivement, avoir le désir, l'envie et le... Et ouais, la motivation pour le faire, c'est pas toujours évident, en tout cas pour les auteurs et autrices. Et c'est ça que je trouve passionnant dans la relation qui se tisse avec un éditeur ou une éditrice, c'est d'aller un peu creuser cette matière-là et de décider aussi parfois ensemble de quel couac on laisse ou non. Et parfois, les couacs, ça fait aussi partie de la chair du poème, en fait. Et il faut les accepter, et c'est ça qui, par moments, va les rendre si justes et si touchants. Moi, c'est ce que je vois beaucoup en travaillant notamment avec des jeunes poètes, c'est que parfois, on sait délibérément, enfin, eux comme moi, qu'on laisse des couacs et qu'il y a des choses qui parfois même boitent un peu, qui sont pas complètement abouties, qu'on est dans de l'écriture encore verte. Et en même temps, c'est ça qui va rendre ses écritures aussi percutantes. Voilà, donc ça, je trouve ça intéressant aussi comme question. Alors, Bruno. Alors, moi, il faudrait que je vous apporte deux éléments de réponse un petit peu différents, parce qu'il y a l'écrivain et il y a l'éditeur. Ma position d'éditeur, c'est d'être en plein milieu d'une rivière ou d'un fleuve, à mi-parcours de la rive de l'auteur et de celle du lecteur. Je me situe exactement dans ce lieu, et ce qui m'intéresse, c'est le passage. C'est comment on fait passer le texte de l'horizon de l'auteur à l'horizon des lecteurs. Et j'ai la même attention pour les deux rives. Simplement, pour chaque texte, pour chaque livre publié, le passage à gué ou la passerelle à construire est différente. Les matériaux sont différents. Le cheminement est différent, la largeur du fleuve est différente, etc. Mais je suis toujours dans ce guet, au milieu, entre les deux rives, à distance de l'une et de l'autre. Et j'accorde la même valeur à ces deux rives. Voilà. Parfois, je suis obligé de dire à un auteur, regarde de l'autre côté, c'est loin, mais regarde. Cet horizon des lecteurs, c'est pour eux que tu écris. C'est vers eux que partira ton texte. Et tu n'en es pas le propriétaire. Il n'y a ni cadastre, ni titre de propriété associé à ton texte, à ton livre. Voilà. Ça, c'est ce que je pourrais dire, hein, de façon un peu métaphorique, pour essayer de définir mon rôle de passeur, de poèmes et de livres. Alors maintenant, sur la question de l'auteur, il faudrait bien distinguer le travail du romancier et celui du poète. Là, je n'ai pas trop le temps de creuser tout ça, mais pour le poème, je dirais, le poème vient souvent d'un monde un peu sauvage en moi. C'est un petit peu comme si j'étais à l'affût du poème, un peu comme un photographe animalier, vous voyez, qui s'approche, qui attend. Je l'attends, le poème. J'ai parfois une idée
très intuitif de sa présence, mais je ne le vois pas tout à fait encore. Mais il est là, avec une forme préétablie qui va s'imposer. Mais souvent, je suis à l'affût et j'apprivoise le poème qui arrive. Et si je vais trop vite au-devant de lui, parfois, je le fais s'enfuir. Donc, je le laisse s'installer en moi avec sa petite musique, avec cette forme sens qui va peu à peu imposer son évidence. Et pour certains poèmes, la question du temps est primordiale. Il y a des poèmes très simples que j'aime beaucoup dans ceux que j'ai composés, qui ont mis du temps à venir, qui sont arrivés parfois après plusieurs semaines d'affût ou d'attente. Ça, c'est quelque chose de tout à fait, je trouve, extraordinaire, parce que ça nous met en dehors de tout enjeu de rentabilité, de tout rapport utilitaire au temps qui passe. Et c'est quelque chose à la fois qui fait appel à notre intuition. Je pense que qui écrit de la poésie apprend à faire confiance à ses intuitions. Et c'est aussi, j'ai beaucoup aimé la phrase que tu as prononcée, Ada, en disant « celui ou celle que je suis en train de devenir », parce que je crois que c'est ça. L'écriture, c'est ce qui nous permet de devenir celui ou celle que l'on n'est pas encore. Une surprise nous attend au bout de chacun de nos poèmes. Il y a comme une sorte d'harmonie préétablie. C'est un peu le poème, c'est un peu comme la fleur qui est sertie dans le bourgeon. Toute l'identité de la fleur est déjà là, mais elle ne s'est pas encore déployée. Le poème, c'est cela. Et le poème impose une forme, un sens qui préexiste probablement quelque part en nous ou en dehors de nous à l'acte d'écrire. Et donc, c'est ça que je cherche. Au fond, c'est très organique tout ça. Hein. C'est une matière vivante. Et pour terminer et revenir à mon travail d'éditeur, je dirais aussi que je suis à l'écoute de la temporalité des textes. Je prends les textes des auteurs que je publie comme des êtres vivants, de sorte que c'est un dialogue à trois, en fait. Hein. Il y a l'auteur, l'éditeur et le texte. Et le texte, parfois, dicte sa temporalité. On est souvent, quand on est éditeur, amené à dire à un auteur, écoute, laisse-lui du temps, là. Toi, tu crois que ton texte est capable de partir tout seul, vivre sa vie ? Non, je crois que c'est trop tôt. Et tu n'es pas encore arrivé au bout de ton travail d'écriture, ou bien voilà, donne-toi du temps, parce que au fond, ce qui va se passer ensuite, c'est que nous, éditeurs, coupons le cordon qui relie l'enfant à la mère. Quoi. C'est vraiment ce que l'on fait. C'est-à-dire que l'on permet à un livre de vivre sa vie pendant que l'auteur va continuer à vivre la sienne. Voilà. Parfait. C'est pour ça que parfois, moi, j'ai des déprimes postpartum avec les livres que nous publions. Ariane, elle le sait. Hein. Il y a des jours, j'arrive au bureau et ce qu'on vient de faire, je l'ai trouvé si fort, si beau, comme par exemple les deux livres qu'on vient de publier d'Hélène et René Guicadou. Mais franchement, il m'arrive de me dire, c'est bon, maintenant, je pourrais mourir. Là. Je pourrais arrêter ce travail d'éditeur sur ce beau travail que nous venons de faire. Parce que je ne pourrais peut-être rien faire de mieux après cela. Donc, j'ai un moment comme ça où il me faut reprendre souffle, tellement je suis peut-être dépassé ou ému par ce que l'on a produit tous ensemble en publiant des textes qui nous dépassent et qui transforment nos vies, qui amènent une telle lumière qu'ensuite, il est difficile de retrouver comme ça notre axe sous le soleil de la vie. C'est voilà, quelque chose de cet ordre-là qui se joue. Je ne sais pas si je suis clair. Vous m'avez emmené toujours, Bruno. Toujours, Bruno. On fait une petite photo de groupe et on va terminer par la lecture de chaque poème que chacun interprétera. Et oui, il y a beaucoup de notes, Sandra, là, pour le coup. C'est bon, parfait, merci. Donc, j'aimerais que chacun puisse lire son poème, mais également qu'il puisse en parler de sa façon de voir les choses, puisque un poème, on le sait, quand on discute avec différents lecteurs, un poème a différentes interprétations, une interprétation différente selon chaque lecteur.
Quelle interprétation vous en faites en tant qu'auteur? Quelle interprétation vous avez voulu lui donner? On commence par Auriane, comme toujours. A changé si souvent de pointure et de dents. Nous le savions, enfant, ce que c'est d'être éphémère. Pouvant partout sur les mains, croyant à l'envers par ce geste nous rendre indélébiles. Quand la vraie vie n'était pas tout à fait comme on l'aurait voulu, après coup, on avait cette parole formidable. C'était pour du beurre. Voilà, alors ce sont mes trois petits poèmes qui sont dans l'anthologie. Que puis-je expliquer sur ces textes? Bah, Alors sur le premier, oui pardon. Oui, quelles émotions vous vouliez faire passer? Alors je sais pas quelles émotions. Enfin je voulais faire. Enfin je peux vous dire quelles sont sur le premier texte. J'ai beaucoup pensé en contrepoint à la peur de vieillir en fait. Et enfin voilà, c'est les thématiques de vieillissement et de la mort sont des sujets qui me préoccupent beaucoup. Et jusqu'au moment où j'ai pris conscience, où je me suis dit mais finalement vieillir c'est tellement peu à côté de toutes les métamorphoses qu'on a connues quand on était enfant. Et c'était ce contrepoint à quelque chose pour moi d'assez rassurant, de se dire qu'il y a des étapes dans la vie qu'on a passées qui finalement sont peut-être plus grandes, plus importantes, plus héroïques que ce qu'on n'aura jamais plus à vivre. Je pense que c'est cette idée-là, que cette émotion-là qui a donné naissance à ce texte. Le troisième, pour en parler, il faut que je parle de la thématique qui traverse plus que l'enfance ce manuscrit qui est en cours d'écriture. C'est sur le rapport à la réalité, à la fiction. Car le jeu est très présent quand on est enfant. Mais j'ai tendance à penser pour ma part que l'enfance est l'âge le plus sérieux de la vie humaine et que c'est au contraire en grandissant, en étant adulte, qu'on a besoin de beaucoup de diversion, de divertissement, de déni, ça fait beaucoup de dés, de choses qui pour moi se rapprochent beaucoup plus de la fiction. Et voilà, et c'est en pensant à toutes ces choses sur lesquelles je travaille en ce moment, que j'ai eu ce souvenir de cours de récréation où on pouvait enfant jouer et puis tout d'un coup annuler finalement tout ce qui venait d'être vécu en juste avec voilà cette formule magique, non mais en fait c'était pour du beurre, on recommence tout à zéro. Et voilà, c'est quelque chose que je trouve génial dans la vie, de pouvoir bouger comme ça, moduler le temps, se dire que finalement ça c'était pas la réalité, de choisir sa version de l'histoire, c'est ça qui apparaît aussi. Voilà, merci. Alors Jean-Yves, c'est à vous, en essayant de nous mettre des uppercuts si possible. Ouais, ce texte là peut y prêter, oui, pourquoi pas. Donc, il s'appelle Courir sur la mer. Nous courions sur la peau de la mer comme des argonautes hallucinés et assoiffés. Seule était mouillée la plante de nos pieds. Depuis la taverne de l'Igre, surplombant la mer de Libye, sur son large dos lisse, presque blanc,
brossée par des rafales tourbillonnantes, violentes et soudaines, j'ai envie de ces courses oniriques, d'être entre l'air et l'eau, un corps insaisissable. Je scrute l'immensité au reflet tellurique, métal en fusion qui nullement ne brûle. Si je cours très très vite, l'eau me portera. Je serai si léger, si léger. Sur la houle semblable aux steppes sans limite, où ondulent au printemps les cheveux fins des anges, sur leurs fines extrémités argentées, je ne pèserai rien. Je ne pèserai rien. Lorsque le vent du soir recouvrira le monde de son souffle apaisé, je laisserai la nuit m'emporter, comme avant, lorsque j'étais l'enfant du crépuscule qui rentrait bien trop tard. Je sentirai l'odeur des labours, l'ivresse de la houle, l'oubli des hautes terres dont le sol est creusé pour enfouir des graines. Je suis déjà parti tant de fois sans songer au retour. Je cours, je chevauche, je navigue et divague sur la vigueur des algues afin de repousser toute immobilité jusqu'à demain. Nous courions sur la peau de la mer comme des argonautes hallucinés, un instant rassasiés. Nous courions sur la peau de la mer. Merci Jean-Yves. Alors, que dire ? Je pensais tout à l'heure dans les propos de Bruno que j'écris un peu comme dans les procédures archéologiques de la relève et de la révèle. On relève, on cherche des fragments, on ramasse des tas de choses, des sensations. Ensuite, on les compose et ça va révéler quelque chose. Révéler quelque chose de nous, comme disait Ada, de devenir ce que l'on est, qui on est, essayer de comprendre qui on est. Et ce texte, il y a des tas de fragments qui s'y retrouvent, effectivement, des fragments d'enfance. J'ai été élevé quasiment dans la nature, avec une nourrice qui me laissait sortir tout le temps. Enfin, l'été, je sortais la nuit, je rentrais trop tard. Elle faisait semblant de me gronder, mais évidemment, je ressentais ça au contraire comme de l'amour, parce que c'était pas vrai, quoi. Et l'odeur des labours, ce sont des... Je suis très sensible à, bon, comme tout le monde, à tous les sens, quoi, aux odeurs. Et c'est vrai que les labours ont une odeur particulière. Quand j'évoque le sol qui est creusé pour enfouir des graines, si je veux vraiment savoir pourquoi c'est venu comme ça, c'est certainement dû à une expression qui m'a... Il y a beaucoup qui m'ont intéressé, mais chez Homère, il y a une expression où il parle des hommes en disant les mangeurs de pain, pour les opposer aux dieux qui n'ont pas besoin de manger, qui se nourrissent en respirant la fumée de ce que on sacrifie pour eux. Et ces mangeurs de pain, le fait des graines, de ce qui va pousser, c'est quelque chose qui... Voilà, c'est un sentiment très fort. Après, il y a effectivement ce que j'ai pu évoquer tout à l'heure en Crète, en regardant la mer et en ayant cette impression que je voyais un personnage qui courait sur la mer. Mais l'autre fragment que j'y retrouve, c'est que j'ai été toujours très impressionné par le « je vis en Aveyron et à Sète ». Donc, il y a à la fois la mer à Sète, en Aveyron, il y avait la mer il y a très longtemps, mais elle n'y est plus. Par contre, sur le Kos, qui semblable au steppe, au printemps, il y a ce qu'on appelle les cheveux d'ange, des herbes qui sont très très fines et qui se terminent de façon argentée, et sous la lune c'est même tout à fait argenté. Et ces cheveux d'ange, cette finesse, c'est dès qu'il y a un petit peu de vent, c'est comme une houle, et ça ressemble effectivement à la mer.
Donc, c'est un petit peu ces choses-là qui sont rassemblées. Et puis, il y a ce qui arrive parfois, comme, malgré nous, des argonautes hallucinés. C'est des mots qui sont arrivés comme ça. Pour moi, je n'ai aucune raison apparente, mais c'est construit autour de, oui, des argonautes hallucinés. Je ne sais pas comment le dire autrement. Et puis, le fait que dans l'enfance, j'ai été fasciné par tout ce qui était, par tous les bateaux. Et avec ça, je voulais devenir marin, je voulais corsaire, enfin pirate plutôt, pas simple pêcheur. Et je pense que c'est tout ça remonte de l'enfance, d'un monde un peu merveilleux, de la quête de la toison d'or, quoi, de l'Argos, les Argonautes. Voilà, c'est bien que ça soit dans le chapitre enfance, parce qu'effectivement. Je me lance. Oui, eh oui, Ada, à vous. Pour les saltimbanqui, justement, l'envol. Saltimbanqui, ils étaient maigres et puissants. Ils ne mangeaient pas. Ils parlaient des langues, la musique dansait autour d'eux. Ils naviguaient sur des mâts factices, des grues clouées au sol. Ils marchaient plusieurs pas. Les femmes étaient belles, des héroïnes toutes en cheveux. Les couleurs leur ressemblaient. Elles volaient souvent. Les nuages dans leurs mains se rejoignaient sur un trapèze. Le corps était leur temple. Tant que visité par l'esprit, le corps était leur maladie, qui s'en revenait après les saisons chaudes. Des oiseaux fatigués, de donner aux hommes des nouvelles de l'aube. Oui, il n'y a pas eu besoin de le... Oui. C'est parce que vous n'avez pas le texte sous les yeux, c'est ça? Si, c'est bon. Non, c'est bon. Je voyais juste pas forcément quoi ajouter, si ce n'est que je l'ai écrit à Chalon-sur-Saône pour le festival Chalon hors les murs, qui était plutôt Chalon dans les murs, parce que c'était cet été festival d'art de rue au moment du... Alors, c'était pas encore le pass vaccinal, ou si, il y avait une histoire comme ça déjà. Et donc, c'était des artistes de rue, mais il fallait rentrer que si on était vacciné avec des grillages partout, donc c'était plutôt Chalon prisonnier des murs. C'était assez spécial, et les artistes n'étaient pas spécialement contents. Donc ça a été assez intense, ce festival. Et j'ai écrit ce poème à ce moment-là pour cette figure d'artiste qui continue chargée d'autres choses que de la réalité, qui est parfois dure. Simplement, et qui continue malgré soi, malgré les conditions dans lesquelles on peut se trouver parfois, d'apporter de la beauté, de la lumière, de l'amour. Et vraiment l'impression que c'est des créatures étranges. Bon, parce que déjà, les artistes, les trapézistes, les saltimbanques, les acrobates, les gens qui marchent sur les mains, c'est fascinant à voir. Déjà, c'est la limite du corps repoussé. En même temps, cette impression que ce n'est pas des gens de chair et d'os. J'ai l'impression qu'ils ne mangeaient jamais, qu'ils parlaient forcément des langues étrangères, etc. etc. Donc, une sorte de vision comme ça d'être artiste immense et immensément beau et différent. Voilà, c'était la vision de ce moment-là. Merci. Alors, Louise Dupré, c'est à vous. J'ai juste une... Je vais devoir vous laisser. Je vais écouter Louise. Oui, je suis en répétition, normalement. Vous devoir partir. Problème, Ada. Donc, désolée. Bonne soirée. Voilà. Au revoir, Ada. Merci beaucoup. Moi, j'écoute Louise. Et je finis. Alors, je vais lire le poème tout de suite. Et ensuite, je pourrai en parler. Il y a deux poèmes de reproduits dans l'anthologie. Et je vais lire le premier.
d'abord. Il faudrait inventer un mot pour l'euphorie qui émerge soudain de la douleur, la prend de vitesse. Un mot avec des ailes, comme les nuées d'éphémères survolant les marécages, le temps de se reproduire avant de plonger dans le néant. Un mot léger, exubérant, parfumé, couleur de fruits et de sève, si sonore qu'on sentirait à nouveau la vie bouillonner sur les lèvres. À nouveau la fièvre de croître, de se multiplier, et l'appétit de rire et de s'amuser. Un mot de la main gauche avec des taches d'encre sur la paume. Un mot d'adolescent qui ne se doute pas qu'il deviendra vieux. Il faudrait apprendre à résoudre l'énigme des insectes. Alors voilà, dans mes recueils précédents, notamment ceux publiés aux éditions Bruno Doucet, j'ai voulu aborder les origines de l'être humain, qui me fascinent. Et bien sûr, la vie qui précède la vie humaine, les insectes et les animaux. Alors, les éphémères m'ont toujours beaucoup intéressée dans cette perspective-là. Et je me dis qu'il y a très, très, très longtemps, nous aussi, on était des insectes, nous aussi, on était des éphémères et on acceptait de vivre beaucoup moins longtemps. On acceptait de vivre une journée. Et quand on retourne à la joie, quand on accepte la joie, c'est qu'on accepte d'une certaine façon notre condition d'éphémère et qu'on accepte de jouer les éphémères pendant quelques moments. Alors voilà. Merci Louise. Est-ce que vous voulez lire le deuxième poème? Ben, je peux, si on a du temps, je peux le lire, ça me ferait plaisir, mais je ne veux pas non plus prolonger. Alors, on le prend. Lis. D'accord. Oui. C'est le dernier poème du recueil, comme l'a dit Bruno. Tu appelles la joie comme si elle pouvait te reconnaître, comme si tu commençais à lui appartenir. Elle n'est plus l'envers de la douleur, mais une élévation, une robe de lumière. Tu le dois à tes morts. Tu sais maintenant qu'ils ne t'ont pas oublié. Une fois morte, toi non plus, tu n'oublieras pas tes vivants. Tu voudras rester près d'eux, tout près, mais sans les encombrer. Tu ne crois pas au ciel, mais tu as toujours cru en la bienveillance de la terre. C'est là le mystère de ta foi. Tu n'essaies plus de comprendre, seulement de mieux respirer. Merci. Merci à vous, Louise. Seulement de mieux respirer. Ariane, c'est à toi et on finira avec Bruno. Alors, je me vois bleu dans l'ambulance, avec mes ailes repliées, et dans la bouche, un goût d'encre pour l'éternité. Sirène, j'irai me jeter à la mer, dans ces mêmes draps blancs d'un premier jour sur terre. Je partirai sous les hurrahs, des raies, des sèches, des éphémères. Et comme Bruno avait dit qu'on avait le droit de ne pas répondre et que j'en ai déjà beaucoup trop dit tout à l'heure, je laisse la place à Bruno. Bien vu, bien vu. Elle est maligne. Hein. Alors, moi, le poème s'intitule « Bureau des longitudes ». Et il éclaire en quelque sorte le titre du livre. Bureau des longitudes. Entre le méridien de ton dos et le premier parallèle de mes bras. Entre mes latitudes terrestres et la ligne de partage de tes os. Entre ton pôle et le mien aux antipodes de l'abandon.
entre les zones pélagiques de ton corps et les bancs de sable du repos, entre tes hémisphères et ma chevelure, entre mes déserts et la vague où tu ne t'aventures qu'en pensée, entre ton nord, ton sud, ton est, ton ouest, à la confluence de nos imaginaires, entre l'Ubac et l'Adret, dans l'équilibre de nos choix, s'exerce une géographie physique de la tendresse. Nous y marchons, nous vivons, nous aimons, sans craindre l'érosion des jours, sans craindre l'érosion des sols, la combustion des jours. Sous la surface de la terre, des nappes phréatiques concentrent nos efforts. Par endroits, l'eau remonte, ouvrant la page d'une vasque, d'un gourd, d'une anse, où les hirondelles ponctuent leur circonvolution. Dans le bureau des longitudes, nos éphémérides comptent plus de lieux à découvrir que de dates effeuillées. Le soleil, la lune, les planètes, les grains de sable à la surface de ta peau, la mécanique des jours, le brusqué, le soudain, l'immense fait de si peu, l'inépuisable diversité du monde, nos vies si brèves, tant de fois réinventées, la main et l'épaule, le cœur et ses saisons, le lit et la table, la dramaturgie des nuages sur le flanc de la montagne, la terre ocre, presque rouge, la chapelle où personne n'est entré, l'abeille et la pierre encore chaude, ce 22 août, sous l'oranger. Merci. Donc là, pour le coup, tu as situé l'écriture. Ça arrive dans le recueil, d'ailleurs, certaines fois, d'autres poètes également situent l'écriture. D'écriture. Oui, oui, bien sûr, oui, ça arrive. Et effectivement, ce poème, je l'ai vraiment écrit le 22 août dernier. Le début était déjà commencé. En fait, j'ai relié deux textes qui auraient pu ne pas cohabiter. Mais tout le dernier mouvement du poème, je l'ai effectivement écrit sous un oranger le 22 août, à l'heure de la sieste. Et c'est un poème qui se trouve à la fin du livre, hein, à la fin de 22 Bureaux des Longitudes. Et tout le livre dit la manière dont l'amour que l'on porte à un être ouvre au monde et comment l'amour est le lieu d'un élargissement, comment le monde est élargi par le sentiment amoureux. Et avant de clore le recueil, je voulais au fond presque avoir le mouvement inverse. Partir de cette métaphore géographique du corps qui est ce corps qui s'élargit pour arriver à une poésie beaucoup plus simple et refermer en douceur la porte de la métaphore pour arriver presque à une énumération des choses qui me semblent essentielles dans l'existence. Voilà. Et puis, mais c'est difficile d'expliquer les poèmes. Je préfère ne pas le faire et laisser aux autres le soin de le faire à ma place. Moi, j'ai juste envie de vous dire, savez-vous qu'il existe un bureau des longitudes? Vous le savez, non. Ça? Non. Alors, il existe un bureau des longitudes qui se trouve à Paris. Il a été créé pendant la Convention, pendant la Révolution française, c'est-à-dire le 7 Messidor de l'an 3. C'était donc le 25 juin 1795. Et il s'était donné pour but de reprendre la maîtrise de la mer aux Anglais. C'était ça, le bureau des longitudes. Et l'objectif, c'était d'améliorer les connaissances en astronomie, le tracé des longitudes marines. Et ça devait fournir à la nation française, en l'occurrence, des outils indispensables pour mieux comprendre le monde. Et c'est notamment le bureau des longitudes qui fournit encore les éphémérides. Voilà. Alors, il est installé tout près de l'Académie française, enfin, dans les locaux de l'Académie française, Quai de Conti à Paris. Et puis, il publie aujourd'hui encore des éphémérides de haute précision qui déterminent, par exemple, sur plusieurs milliers d'années, la position du Soleil, de la Lune, des planètes, des astéroïdes, des comètes, etc. Voilà. Et on y trouve, dans ce bureau des longitudes, des savants qui viennent de plein de disciplines différentes, des astronomes, des spécialistes de géodésie spatiale, des navigateurs,
des géophysiciens. Voilà. Moi, je rêve d'aller lire mon recueil là-bas. On ne les a pas encore contactés, tous ces savants, mais je rêve d'une lecture. Ariane, tu pourrais, toi qui travailles jour et nuit, peut-être là, les appeler, tu vois, tous ces savants. Ouais, c'est, je ne sais pas s'ils sont là à 21h30, mais on va y réfléchir. Pour observer les étoiles, en tout cas, c'est plus pratique maintenant que, ouais, que ce matin. C'est vrai. Bien vu. Il est temps de vous remercier toutes et tous. Continuons de fêter les poètes, les poétesses, la poésie, parce qu'elle le mérite avec autant de talent. C'est une occasion particulière, en effet, pendant 15 jours, mais il faut le faire toute l'année. Et Bruno, avec la maison d'édition et avec ses auteurs, le fait toute l'année, et il faut quand même le souligner avec ce travail merveilleux que tu fais pour prôner une poésie ouverte à tous et avec, pour que chacun puisse trouver son bonheur avec tout cela. Donc merci à tous, merci infiniment à tous, et fêtons comme il se doit le printemps des poètes. Et amitié merci à tout tous. Le monde. Merci Anthony, merci à tous. Bon embrasse. Et merci. Au revoir. Merci Jean-Yves, merci à vous. Au revoir tout le monde. Ciao, ciao.